Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo. Je vous explique un petit peu comment j'ai organisé tout ça. J'ai sorti récemment une vidéo où je mangeais du fromage et je me suis rendu compte dans les commentaires qu'il y a des gens qui se disaient mais t'aurais dû tester le fromage de chez moi, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Et ça m'a donné cette idée de vidéo où je teste les spécialités de plein de régions en France. C'est tout. D'habitude j'aime trop faire un vlog de plein de choses, de montrer plein de trucs et de faire une petite partie de la vidéo par rapport à un thème. Mais là j'ai décidé de vraiment faire une vidéo mukbang où je mange tout le long de la vidéo. Je tiens à préciser un truc, c'est que Jérémy va m'aider pour faire cette vidéo, il va me ramener les trucs à manger, il y a des choses qu'il a trouvé que je sais pas, il y a des choses que je sais. Soyez indulgents sur la qualité de la nourriture parce qu'on a fait de notre mieux, il n'y a pas de tout disponible, donc s'il y a des trucs de supermarché etc, faut pas nous en vouloir, et je ne veux pas gâcher de nourriture, pour moi ça passe avant tout, donc on a dû choisir en fonction des disponibilités et en fonction de la quantité. Là on est à la limite, après je veux pas gâcher de la nourriture. Essayez de pas m'en vouloir s'il n'y a pas une spécialité chez vous. Vraiment je vous assure que j'ai fait mon maximum. En tout cas j'ai extrêmement hâte, j'ai très faim. Il doit être genre 13h, j'ai rien mangé depuis hier soir. Et ce soir j'ai un anniversaire, par contre bon courage, je le mélange dans mon ventre. Ah. Je trouve que c'est encore plus drôle d'avoir cet effet là dans la vidéo, genre que je découvre en même temps que vous. Je sais 2-3 trucs mais j'ai rien vu. Oh là là, l'angoisse. Le petit déjeuner arrive. En plus c'est tellement bon que je vais tout manger, je suis obligée. Le chef il fait pas une présentation? Donc ce sont des huîtres. Okay. De Léon. Les huîtres, c'est, j'ai vu soit Normandie, soit Bretagne, soit genre bassin d'Arcachon. Et vu qu'on avait déjà des spécialités des autres régions, j'ai pris au Léon. Ok, donc nous allons premièrement goûter les huîtres. J'adore les huîtres, donc je sais déjà ce que j'en pense, je vous spoil. Mais là, ça va être un plaisir de manger ça. Et profite, parce que je pense que ça sera un des rares plaisirs de la vidéo. Oh my god, je suis team à la base huître citron. Mais depuis que j'ai goûté avec du vinaigre, c'est incroyable. Je préfère la détacher avant. J'en mets toujours beaucoup trop, sinon c'est pas bon. Tout mélanger en commençant par les huîtres, ça va vraiment me fracasser. C'est incroyable, je comprends pas les gens qui n'aiment pas les huîtres. C'est trop bon. Enfin si, je comprends parce que c'est dégueu au niveau de la texture, mais le goût... Mais Miso, non! Chef, nous avons un problème. À vous... Arrête, je sais que t'as envie qu'il mange des huîtres. Je te vois, tu le laisses venir. Normal, c'est un mets de luxe. Le paradis de la vie. Le vrai paradis. Elle est un peu bizarre celle-là. Pourquoi il n'y en a aucune qui bouge? Dites-moi en commentaire, ce sera la question de la vidéo. Quelle est votre spécialité française préférée? Je vais réfléchir, bon on va voir avec tout ce que je goûte. Je vais réfléchir à ce que c'est. Incroyable. Je vais noter chaque spécialité. Pour commencer, 10 sur 10, j'adore. C'est bon! Qu'est-ce que c'est que ça? Le problème commence, ça vient de Bourgogne. Oh my godness! Des escargots! N'en mange pas trop. Pourquoi? J'adore ça. Ouais, mais après, il y a tellement de choses. Vas-y, vas-y, fais ta vie. Ça, c'est pareil. En vrai, huître escargot, je comprends les gens qui aiment pas. Genre, c'est très spécial, mais qu'est-ce que c'est bon, mon dieu. Mais c'est un plaisir, cette vidéo, en fait. Je pensais que ça allait être un supplice. Je pense à mon anniversaire ce soir. Je vais arriver avec le mélange beurre-ail. Je me dégoûte. Qu'est-ce que c'est bon. En fait, c'est vraiment la préparation qu'il y a dedans qui est incroyable. J'espère que vous me jugerez pas trop. On a un problème, j'ai déjà plus faim. Il en reste deux, je suis obligée de finir. C'est bon. T'as tout mangé? Non. Putain, tu te rends pas compte de ce qu'il y a. T'as tout mangé? C'est trop bon. Je peux pas m'en empêcher. Je te dégoûte. Ah non, je t'embrasse plus de la journée. Ah ok. Tu me dégoûtes pas. T'inquiète. Escargot, je dirais 8 sur 10. C'est vraiment très bon. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Mais c'est quand même très très bon. Je vais me faire 15 bains de bouche avant ce soir. Sérieux. Oula, tu me fais peur. On reste dans la même région. Ok, Bourgogne. Ouais, et normalement ça se mange avec un accompagnement, genre des pâtes ou du riz. Oh, du bœuf bourguignon. Exactement. C'est ça? Ouais, t'en as déjà mangé? J'en ai déjà mangé, mais c'est pas un plat que j'ai mangé. T'as pas de couteau à viande déjà, mais chez toi, non, tu manges jamais de viande. Non. Enjoy. Merci. Oh my god, c'est trop bon. Oh mon dieu, c'est trop bon. Oh mon dieu, c'est incroyable. Je suis sous le choc, je vais pas vous mentir. Je mange jamais ce genre de choses. Mais j'avoue que, en fait, c'est super bon. Pour l'instant, la France, c'est plutôt pas mal. De toute façon, je crois que carrément, dans le top de trucs réputés en France, c'est genre fromage, vin, bœuf bourguignon. C'est trop incroyable, c'est trop bon. C'est bon. Qu'est-ce que je mets comme note? Je pense que je vais mettre un 9 sur 10. C'est très 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 bon. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé, genre des années. Vraiment, j'en mange jamais. J'ai dû en manger genre 3 fois dans ma vie. C'est trop bon. J'adore. C'est validé pour moi. Je crains le pire là. Parce que pour l'instant, il m'a dit qu'il y avait des trucs vraiment hardcore. Et là, pour l'instant, il y a des trucs trop bons. Donc je vois pas comment ça peut continuer comme ça. Hop, ça vient de Bretagne. C'est une crêpe. Exact. Oh, il va avoir un sérieux problème de taille. Oh my god, tu manges là depuis tout à l'heure? Non, bah déjà je commence. Hein. Ah ouais. Vu que t'as tout mangé avant. Tu veux que je mange quoi? Les coquilles d'huîtres?
Oui, faut pas gâcher. Merci. Mange pas tout. Mais il y a quoi dedans? C'est complète, jambon, fromage, œuf. C'est la classique bretonne, genre. La classique bretonne. Les gars, d'ailleurs, excusez-moi, je vais vous teaser le truc jusqu'au bout. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais dans la vidéo de dimanche, je vous annonce un truc de ouf, donc activez le notif et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons un léger souci. J'ai mal calculé mon coût. C'est pas ce dimanche, c'est le dimanche d'après. Bref, les crêpes, j'adore. Les crêpes bretonnes, c'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est une galette, genre. C'est une galette, c'est pas une crêpe. On dit une galette quand c'est salé. En tout cas, c'est incroyable. Le goût. Alors, j'aime tout en fait. Il a dit que ça allait crescendo, donc je suis pas rassurée. Les bretons, vous gérez les crêpes. Très bon actif, très très bon. J'adore. C'est bon. Tu vas manger la crêpe? Ouais, je trouve. C'était bon? T'as pas mangé l'œuf? Bah non, je te le laisse parce que sinon ça va couler partout pour toi. Là maintenant, là c'est très problématique ce qui arrive. Ouah, tu me fais trop peur. Une note, je pense que je mets 7 sur 10. Genre c'était pas forcément la meilleure que j'ai mangée de ma vie. Genre je trouve par exemple le bœuf bourguignon c'est au-dessus dans mes goûts, bien sûr. 7 sur 10 c'est bien. On arrive au plat le plus problématique de la vidéo. C'est le seul plat. Il y a un truc que je redoute particulièrement, donc je sais pas si c'est le seul plat où, parce qu'en fait c'est pas du tout la saison, et ici à Paris c'est difficile de le trouver. Okay. C'est le seul plat où c'est pas de la super qualité, genre. Ok. Il y a un truc que je redoute en particulier, je suis sûre que c'est ça. Oh, c'est ça. La choucroute. Je déteste. La choucroute. J'en ai goûté quand j'étais petite et que je suis allée en Alsace et j'ai détesté, donc. Mais j'ai jamais regoûté après. Et nos goûts changent quand on grandit. Mais j'avoue que rien qu'à l'odeur, je sais que j'aime pas. Je suis désolée, les Alsaciens. À part la choucroute, j'aime trop ce que vous faites. Vraiment, je peux pas. J'aime pas du chou, je suis désolée. Ah, ce que j'aime pas, c'est qu'en plus, tout a le goût de chou. Alors, c'est imbibé. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas. Oh non, j'aime vraiment pas. Je vais regoûter encore, mais un petit morceau de pomme de terre. Tout est imprégné du goût. Ah, j'aime vraiment pas ça. On va goûter la saucisse. Oh my god. Une odeur. Mais ça sent tellement fort. C'est ça que j'aime pas. Vous savez, on peut croire que je suis une grosse forceuse à ranger comme ça. Mais je veux prendre des tout petits bouts parce que j'ai un problème de dégoût dans ma vie. Genre, dès qu'il y a un truc que j'aime pas, j'ai des haut-le-cœur et je fais. Et du coup, c'est vraiment horrible et je préfère prendre un mini bout que de vous faire subir ça. C'est bon. C'est vraiment le pire du pire pour moi. Goûte juste là, un tout petit peu. T'as déjà goûté la choucroute? Je crois pas. Ah, ça a le goût de l'odeur. Ouais. Ça me dégue. Ok, il faut mettre une note. Je vais mettre 1 sur 10. Je vous assure que c'est vraiment pour mes goûts. Ça fait partie, genre, de tout ce que je déteste. Les endives au jambon, la mayonnaise, les surimi, la choucroute. Je pense que c'est mon top 5 de trucs que je déteste. Il fallait bien que je mange un truc que j'aime pas. Ça, je connais pas. C'est moi qui ai cuisiné. Bon chance. On dirait un dessert, mais c'est pas un dessert. Tu me fais peur. Ça sent, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent un truc. Genre la galette de pommes de terre. Ça sent ça. Je peux ouvrir, ça vient d'où? De Toulouse. Ah, c'est une saucisse. Oh my god, comment ça, on dirait un dessert, c'est une saucisse dans une assiette. J'ai un morceau de ma famille qui est à Toulouse. Et donc là-bas, parce que eux, ils font des saucisses dans ma famille. Donc en fait, comment te dire que je connais et comment te dire que j'aime pas? Mais il y en a que j'aime, donc ça va dépendre de tout son. Mais c'est pas cuit ton bail, c'est rose à l'intérieur. Ça craint? Tu veux que je te remette? J'adore, c'est ça que j'aime, trop bon. Ok, j'adore, c'est ça que j'aime. Je sais plus ce qui m'avait fait goûter que j'aimais pas. Du coup, je pensais que j'aimais plus du tout les saucisses. Mais ça c'est trop bon avec des lentilles. Ça c'est vraiment un plat que j'adore. Je tiendrais tout pour manger ça. Ah non, j'abuse de dire ça. Mais je sais pas, moi dans ma famille il y avait genre de la saucisse genre en tourbillon. Il y avait ça sur la table et genre un jour j'ai goûté et c'était tellement horrible que je me suis dit que plus jamais je mangerai de saucisse de ma vie. J'étais même traumatisée des knackis, du coup je me suis dit elles sont toutes pareilles. Je peux même pas manger de knackis, genre. C'est bon. Je mettrai 7 sur 10. C'était super bon. Franchement c'était trop bon. C'est pas genre ce que je préfère au monde. Donc 7 c'est très bien. J'ai hâte de voir la suite. C'est l'autre plat problématique? Non, pas forcément qualitatif, qui doit être meilleur ailleurs. Ça vient d'où? Ça vient d'Île-de-France. Oh, je sais ce que c'est. T'as déjà goûté? C'est de la soupe à l'oignon. Ouais. J'ai jamais goûté. Ah, ça me dégue. En vrai, je suis grave contente de goûter parce que je n'ai jamais goûté. Je me suis toujours dit que je pensais ne pas aimer. Même si je suis pas du genre à dire j'aime pas sans avoir goûté, mais genre l'oignon, enfin. En fait, tout ce qui peut laisser un goût dans la bouche en général, j'aime pas. Mais là, l'odeur, elle est genre, ça sent pas l'oignon, ça sent un truc bizarre. Ça m'a brûlé. C'est très bizarre. Par contre, ça se voit quand t'aimes, c'est trop réconfortant. J'aime pas du tout. C'est un goût, je sais pas si c'est un goût d'oignon, bah sûrement, mais c'est un goût d'un truc, genre, qui a infusé pendant des années dedans. Oula, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Genre, si ça avait le goût d'oignon bien fort, peut-être que, genre, j'aime pas forcément l'oignon, mais que ça passerait. Mais là, ça a le goût d'un truc, genre, d'un vieux truc. Je sais pas si c'est celle-là, probablement, vu que, apparemment, c'est un truc de supermarché. C'est sûr que ça, c'est forcément meilleur quand tu vas dans un vrai, vrai truc. Mais malgré tout, le concept, je ne suis pas fan. C'est bon! Oh là, c'est la France. Là, c'est le foin chouillard. Ça vient de Toulouse. Là, celui-là vient de Toulouse, mais je pense que c'est un peu un plat du sud-ouest. Ok.
Tu me fais peur. C'est quoi ce merdier? Ça sent le beurre bourguignon. T'as tes cheveux dedans. Ah! Vas-y, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ah oh, non, merde, j'avais oublié que j'avais ça. Le cassoulet, sa mère. Je sais pas trop quoi dire, on va pas se mentir. Je suis un peu sous le choc. Ça me fout un coup de massue à ma journée. J'aime vraiment pas ça. En même temps, mais je comprends les gens qui aiment parce que c'est un goût particulier, genre. C'est spécial, pas mauvais. Je pense que moi, il y a vraiment l'aspect aussi psychologique de l'aspect visuel. En vrai, ça va. Le goût n'est pas mauvais, hein. Genre de la sauce. Mais je pense que c'est la texture des trucs là que je peux pas. Je pense honnêtement que ça, je peux carrément genre pas en manger. Ça me dégoûte un peu. Viens goûter. C'est pas mauvais. Non, c'est juste un goût d'alcool blanc. Moi, je peux pas supporter la texture. C'est un goût qui est bon. Ça peut être bon, ouais. Mais genre, je pense que tu vas à Toulouse au mois de novembre, décembre. Ouais, ouais, ouais. Tu manges un cassoulet. Bien chaud, alors, bien. Là, il y a saucisse, mais il y a aussi avec genre du canard. Mmh. Et donc, si c'est un peu délire, genre confit. T'as des poils de biseau partout, ouais, t'es en train de faire un canard. Ouais, moi, je m'attendais à un truc dégueulasse. Autant la choucroute, je trouve ça vraiment pas bon. Là, ça. On peut passer à la suite. C'est interminable cette vidéo. Je pense que je mets 4 sur 10. Parce que j'aime pas ça, mais c'est pas mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je sens que le goût est bon, mais c'est pas du tout ce que j'aime. Je peux même mettre un 5 sur 10 en vrai. Un 5 sur 10, c'est bien. On passe à Normandie. Je sais ce que c'est ou je sais pas ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Je te fais sentir. Ah! Oh, c'est du camembert. Ouais. Oh non, je pleurais pas. De Normandie, le bon camembert de Normandie. En plus, bah pour ceux qui ont vu ma vidéo fromage, vous savez que vraiment le camembert, ça fait partie des trucs qui me donnent les walkers. Ah non, mais je peux pas manger. Hein. Il est plus sec là, c'est une brique. Je pourrais pas. Je vous jure que c'est pas fait exprès. J'ai un problème de dégoût dans ma vie. Faut que je règle ce problème. Ça va pas. J'ai l'air d'une débile. Je pense que c'est le seul plat que je pourrais pas goûter. Non, c'est trop bon le camembert. Faut que tu goûtes. Quand je le vois, no joke, je pourrais vomir. Fondu, il y a aucun souci, genre. Mais là, comme ça, surtout quand je le vois en mode brique, ça me donne envie de me transformer en brique. En plus, tu m'as reposé ton bout croqué là-dessus. Tu me dégoûtes. Ouais, du coup, tu manges pas. Ça va, je peux pas manger, je crois. C'est vraiment le seul plat que je peux pas manger. Je sais pas pourquoi. Je pense j'ai eu un traumatisme. J'ai dû goûter un truc pas bon quand j'étais petite. Bah, c'est l'odeur des vieux camemberts. Normalement, je ne peux pas noter sans avoir goûter, mais je sais quel goût ça a et je sais que je n'aime pas, donc je vais dire un 0 sur 10. J'ai un problème psychologique, ça me fait ça avec 2-3 trucs dans ma vie, comme les plats, les restes de plats au frigo. Après ça va quand c'est vraiment chauffé et tout, mais les trucs froids, j'essaie toujours de tout finir tout le temps parce que je peux pas mettre les trucs froids au frigo et le remanger après. C'est vraiment psychologique. Ah, mais je sais ce que c'est, de la raclette. Il y avait fumé normal et au poivre du coup fumé, je sais pas pourquoi. J'adore ça. Voilà. 10 sur 10, le paradis de la vie. Mmh, incroyable. Ça rattrape tout. Mais c'est génial. C'est incroyable. Je n'ai pas les mots. Le bonheur de la vie. J'ai plus faim mais c'est incroyable. C'est bon. Jérémy m'a dit qu'il était bloqué. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là là. Bisous. Viens manger du fromage avec moi. Bon, je veux la suite. J'exige la suite. Raclette, 10 sur 10. J'adore. Coup de cœur. Les gars, il m'a dit qu'il y avait un truc salé là, sucré. Et moi, je me suis rappelé d'un truc. C'est que dans cette vidéo, je voulais absolument qu'il y ait une quiche Lorraine. Sauf qu'il a oublié. Du coup, je sais ce que c'est. J'adore les quiches Lorraine. Goûtons notre mini quiche. Quand j'étais petite, quand il y avait de la quiche, genre c'était jour de fête. On a vraiment des trucs très très bons en France. On est connu pour ça, mais malgré tout, quand on a grandi en France, on peut ne pas se rendre compte quand on va à l'étranger. Le pire, c'était vraiment quand je suis allée à New York en décembre. Le choc de la nourriture déjà des prix. Des prix, mais on n'en parle pas. Mais tout est dégueu. Vraiment, c'est dégueu. Genre, dans les supermarchés, la nourriture, c'est pas bon. Genre, rien que t'achètes une sauce pour les pâtes, bon, c'est pas censé être le truc le plus qualitatif, mais nous, on achète des sauces à genre 2 €. Elles sont, enfin, c'est super bon. Et là-bas, mais c'est effrayant. Ça, c'est vraiment excellent. C'est bon. Alors, la quiche, je lui mets 8 sur 10. Non, 7 sur 10. 7 sur 10, c'est parfait pour une quiche. C'est bon, j'ai noté ma quiche. Tu peux venir. Ça vient de Bordeaux. Je sais même plus ce que c'est que tu voulais faire comme dessert. Ah, mais Bordeaux, je sais. Un cannelé. Cette odeur. Oh my god, je veux faire ça à la caméra. Un cannelé, ceux qui connaissent pas, vous loupez quelque chose, c'est vraiment particulièrement bon. Et quand on était allé à Bordeaux, j'y suis allée qu'une seule fois dans ma vie. Bref, j'ai goûté des vrais vrais cannelés de là-bas. C'est divin. Et depuis, j'adore ça. Genre quand je vais à la boulangerie, que j'en vois, j'en prends, genre c'est trop trop bon. C'est vraiment excellent comme invention. Ah, j'avoue qu'on a des trucs de ouf en France quand même. Genre c'est improbable cette petite chose fluffy. Ouais, il est très alcoolisé. Ça me fait penser à la vidéo trop gênante. Ça se trouve, je suis la seule à avoir la ref. Jérémy, t'en veux? Mais je pourrais pas finir. J'ai l'impression d'avoir mangé 18 cassoulets, je vais dormir. Imagine-moi. J'ai l'impression de sortir du repas, genre, bon, j'ai jamais fait, mais c'est du repas de 3h30, 4h, genre, de dimanche en famille. Hé,
Ouais, mais viens. L'autre il se casse avec mon cannelier. Bah ouais. Mais ça va pas ou quoi? Très bon. Il est très alcoolisé. Comme on aime. Meilleur, non? C'est vrai que c'est bon. Oh my god, ça y est, on a fini là. Bravo Grébi. Je n'ai pas noté mon cannelier, attendez. Je lui mets 8 sur 7 sur 10. T'en penses quoi, 7 sur 10? Il mérite mieux? Bon. Ouais, mais attends, parce que t'as pas entendu les autres notes. En titre de comparaison. Non, moi je dis que 7 sur 10, c'est bien. Non, j'avoue, 8. 8, c'est très bien. En tout cas, c'était incroyable. Je crois que là où j'ai mis 10 sur 10, j'ai mis pour les huîtres et j'ai mis pour le fromage raclette. Ça représente très bien ma personnalité. Et vraiment, le pire pour moi, bah, c'est le camembert. Mais sans parler de ça, vu que j'ai pas goûté, la choucroute, vraiment. J'aime pas. Oh my god! Voilà, c'était un peu limite pour moi. Mais sinon, vraiment, je dois dire qu'on a de très bonnes choses en France. Vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour le savoir, mais malgré tout, je vous le rappelle parce qu'on a tendance à oublier. C'était très très bon. Donc, ah putain, le bœuf bourguignon aussi, mais ça c'est un truc. Genre si je vais au restaurant et qu'il y en a, par exemple, je pourrais en prendre. Franchement, c'était tout hyper bon. Donc la bonne découverte, c'est ça. Et la saucisse de Toulouse, j'ai redécouvert. Très très bon. Ah ouais, la soupe à l'oignon. La crêpe. La crêpe, elle était grave bonne. Ah bah toi, cette vidéo du manoir en Bretagne, comment elle était bonne, la crêpe. Oh là là, qui a vu cette vidéo? La vidéo au manoir hanté quand on est allé en Bretagne, qu'on a mangé la meilleure crêpe de notre vie pendant la pire période de notre vie. Bref, malgré les 2-3 trucs que j'ai pas aimé, mais c'est mes goûts quoi, il y avait rien de bizarre. Tout était vraiment très bon et ça m'a redonné envie de manger plein de trucs que j'avais oublié. Merci Jérémy! Merci beaucoup! J'ai adoré cette vidéo, franchement, je pense qu'il y a moyen de faire une partie 2. Hein. Genre il y a forcément plein d'autres spécialités. Dites-moi en commentaire si je dois faire une partie 2 ou pas. Je ne sais pas. Il est beaucoup plus tard, je me suis remise de ce repas monumental. Franchement j'ai trop aimé cette vidéo, voilà je l'ai dit encore et encore. J'espère que ça vous a plu, ça a changé un peu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, blablabla. Vous savez ce que je vais dire. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je suis active tous les jours. Et on se retrouve, attendez que je réfléchisse, dimanche dans une nouvelle vidéo.